C'est 2h35 à Rome. Bonjour à tout le monde et très bienvenue à ce webinaire qui a été organisé par l'Union internationale des supérieurs généraux avec Multimédia International que j'ai le plaisir de représenter. Nous avons souhaité de faire ce webinaire qui prend un titre Cœur et Code, réflexion sur la sagesse dans l'ère de l'intelligence artificielle. À l'occasion de la journée de communication sociale célébrée le dimanche dernier, pour réfléchir sur les défis qui nous présentent le développement de l'intelligence artificielle. Donc, j'accueille le professeur Giovanni Tridente et les professeurs Pierre, Giovanni et Tosolini, avec lesquels nous allons explorer les changements de paradigme qui a été opéré par le développement de l'intelligence artificielle et la réflexion de l'Église devant tout cela. Nous commençons notre rencontre avec une prière qui va nous guider l'avocat des les communications et elle appartient à l'USG, département des communications. Bonjour. On va commencer cette rencontre avec une prière de Saint François de Sales. Nous vivons dans un monde de changements dynamiques, à niveau global, à niveau personnel. Il y a des changements continuels. Et peut-être pour quelques-uns, ça nous fait de la peur. On a des questions. Et dans cette prière, nous demandons au Seigneur la paix intérieure et la créativité pour connaître ces changements et y faire face. Je vais lire cette prière. Je vous invite à vous asseoir confortablement, fermez vos yeux si vous le souhaitez. Et ensuite, on aura un moment de silence. Et si vous voulez, vous pouvez écrire dans le chat, conversation, le mot qui vous vienne à l'esprit, si vous le souhaitez. N'attends pas, ne regarde pas avec crainte le changement de la vie. Regarde plutôt avec espérance au fur et à mesure qu'ils surviennent. Dieu, dont tu es le propriétaire, tu conduiras en toute sécurité à travers toutes les choses. Il vous conduira en toute sécurité à travers tout. Ne craignez pas ce qui peut arriver demain. Le Père prend soin de ce qui vous arrive aujourd'hui et chaque jour. Il va vous protéger de la souffrance et vous donnera une force inépuisable pour la supporter. Soyez en paix et laissez de côté toutes les pensées et imaginations des craintes et anxiétés. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez écrire un mot, une phrase qui vous reste de cette prière. Vous pouvez l'écrire dans le chat ou conversation qui nous offre le Zoom. On nous dit espérance, ne pas avoir peur, confiance, communion, paix,
imagination, espérance. Ne pas avoir peur. Dieu prend soin. Regardez avec espérance l'avenir. Paix. Dieu prendra soin. Confiez en Dieu courage. Merci beaucoup de tous ces mots très beaux. Et je te laisse la parole, Pascal. Merci, Navoïka, pour la prière. Encore une fois, j'accueille à tous ceux qui sont arrivés et je renouvelle l'accueil au professeur Giovanni Tridenti, qui est directeur de communication de l'Université de la Sainte-Croix, Santa Croce, et enseigne auprès de la Faculté de communication du même institut. Il est rédacteur et vaticaniste de la revue Omnes et il travaille dans l'information sur l'Église, la présence des catholiques sur les médias. Dernièrement, il explore les champs des implications éthiques et sociales de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. Il est auteur des livres Anima Digitale en italien. À travers son intervention, nous allons comprendre comment l'intérêt de l'Église sur l'intelligence artificielle vient de loin du pape Jean-Paul II, pour continuer avec les papes Benoît XVI jusqu'au pontificat du pape François. En plus, à la lumière des initiatives du Saint-Siège, comme la Pontificale Académie des sciences sociales ou pour la vie, et pour la vie, on va voir avec lui des lignes pratiques pour nous orienter dans le futur immédiat, et cela va nous aider à comprendre les dilemmes éthiques et les opportunités que l'intelligence artificielle nous offre, même dans notre communion ecclésiale. Bonjour, merci de votre invitation. Je vais partager maintenant ma présentation. Donc, merci de la présentation. L'introduction. Je vais essayer de rester dans le temps. J'ai appelé ma présentation dans le contexte du sujet de ce webinaire à la lumière de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui nous enseigne l'Église? Je crois que d'abord, il est important d'avoir clair la signification des thèmes et des questions, parce que depuis une année et demie plus tôt, on entend parler fréquemment d'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'il est opportun de définir le thème dont on parle. Ceci est une définition d'intelligence artificielle, il y en a beaucoup. Mais on peut dire qu'elle est une discipline de l'informatique qui traite le développement d'algorithmes et de logiciels permettant aux machines d'effectuer des tâches imitant l'intelligence humaine. Ça, c'est important. Imiter, c'est-à-dire, on ne fait pas la même chose. C'est-à-dire, telles que la compréhension du langage, la reconnaissance d'images et des sons, la prise de décisions et résolution des problèmes complexes. Si nous voyons ici le graphique, nous comprenons qu'on parle d'intelligence
artificielle depuis un bon temps. Et c'est un domaine qui comprend toutes les techniques qui font qu'un ordinateur puisse imiter les comportements humains, mais à l'intérieur de l'intelligence artificielle, on doit inclure ce qu'on appelle en anglais machine learning, c'est-à-dire la capacité des machines qui ont la capacité d'apprendre. Et le dernier développement, en anglais deep learning, apprentissage profond, que ce sont des machines qui peuvent apprendre sur la base du calcul des réseaux neuronaux de l'âme. C'est-à-dire, il y a une ressemblance au comportement du cerveau humain. Je pense que vous avez entendu parler de ce qu'on dit en anglais, Large Language Model, LLM, modèle de langage large. C'est une variété et c'est des tâches liées au langage naturel. Donc, quand on connaît, par exemple, on est devant ChatGPT, nous comprenons un peu le fonctionnement et la réponse parce que c'est un rapport à notre langage. Ils peuvent traduire, répondre à des questions, compléter automatiquement un texte. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'ils sont basés sur des modèles statistiques qui viennent des données reçues d'entraînement. Et la réponse qu'ils offrent, c'est un calcul statistique des probabilités, évidemment avec une grande quantité de données. Donc, ils n'ont pas une compréhension réelle de la signification. Donc, ils renvoient de réponses, mais ils ne le comprennent pas. Donc, quand on essaye avec WhatsApp, on essaye d'écrire un message et la machine te propose un mot. C'est un peu comme ça, le LLM, avec une quantité énorme de données qu'ils ont emmagasinées. Je voudrais vous faire réfléchir aussi sur le fait aussi que tout ceci sont des grands instruments de divulgation. Ce n'est pas qu'ils proposent des mensonges, mais celui qui nous raconte plutôt les divulgateurs n'est pas intéressé au mensonge, mais il essaye à convaincre pour que la personne conçoit la réponse de la machine comme vraie, mais nous devons nous rappeler que c'est un calcul. Pardon. Ensuite, il y a une évolution. Et pour permettre aux machines d'être plus précises, on est arrivé à ce qu'on appelle en anglais Retrieval Augmented Generation, RAG, qui est un développement du niveau précédent LLM, où l'on peut introduire des informations et donc il y a les données sont complètes et précises, la réponse sera plus contrôlée parce que c'est sur la base d'une information que nous avons insérée et pas comme le modèle précédent qui a pris toutes les données de l'Internet, pratiquement des milliards d'informations prises de l'Internet. Moi, je disais
qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle pendant ces derniers temps et on va essayer de comprendre pourquoi, mais nous devons être conscients que cette discipline a au moins 70 ans, 70. La première fois qu'on a commencé à penser sur une machine qui pouvait imiter les comportements humains, ça c'était en 1950. C'est un mathématicien anglais qui a fait un expériment, un essai. Il avait développé quelques algorithmes et il se posait la question, est-ce que les machines seront à même de penser ce qui était considéré l'élément qui peut identifier ou distinguer la machine de l'homme? Et c'est Alan Turing. Il dit qu'il pourrait avoir un instructeur qui introduit dans une machine et cette personne pose des questions à la machine et à la personne. Lorsque les réponses sont produites, si l'instructeur, la personne, ne peut pas distinguer les réponses de la personne et de la machine, cela va signifier que la machine est arrivée au même niveau de réflexion ou de l'homme. Aujourd'hui, on se trouve à ce point-là, mais ce n'est pas une question de compréhension ou de conscience. C'est une question de puissance, de calcul très large qui peut-être dépasse l'être humain à capacité. En 1964, nous avons le premier exemple de conversation entre la machine et l'homme. Aujourd'hui, il nous semble très courant. En 2002, il y a eu cette machine pour nettoyer la maison, Roomba, qui emploie l'intelligence artificielle, même Alexa, cette machine que beaucoup de nous ont chez nous a plus de 10 ans. C'est pour dire que c'est une réflexion qui se développe depuis longtemps, mais on ne s'inquiétait pas tellement parce que il semblait que ces appareils ne pouvaient pas raisonner. Et il est important de nous rappeler toujours ces différences fondamentales entre l'intelligence humaine et le cerveau artificiel. Nous avons une chose naturelle, organique. Nous comprenons et nous sommes des agents actifs. L'agent est celui qui a une responsabilité. Ce n'est pas un instrument, comme c'est le cas de l'intelligence artificielle. Un philosophe italien, Floridi, nous invite à réfléchir sur ceci. Appeler ces machines intelligentes peut nous égarer un peu. Et cela est dû au fait que cette conception a été prise dans le domaine de la recherche neuroscientifique. Donc, il y a une assonance des mots, mais ce philosophe nous dit qu'il faut distinguer entre la compréhension et l'action. L'homme comprend et agit. La machine, par contre, comprend et ne comprend pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas consciente parce qu'elle répond à une logique qui lui a été donnée, qui a été insérée en elle. C'est l'algorithme, c'est tout ce qui a été mis en elle. Il dit que ces machines sont à intelligence zéro.
Et ce serait bon de commencer à employer cette terminologie. Si vous demandez à ChatGPT, il vous qu'est-ce que c'est, il va vous dire qu'il se base sur des algorithmes mathématiques et processus informatiques et n'est pas doué d'un libre arbitre. Il y a des données qui ont été mises en elle. Ça ne vient pas de son expérience. Elle n'a pas une expérience de vie et elle ne comprend pas en profondeur ni de manière intuitive ce qu'elle nous donne après comme réponse. On parle beaucoup des filles. Moi, je préfère commencer à parler des avantages parce qu'il faut penser que ce développement nous vient de l'intelligence humaine. C'est la créativité humaine grâce à la lumière et l'étincelle que Dieu a mise en nous, nous avons pu produire. Donc, l'avantage, c'est l'automatisation. Nous pouvons faire beaucoup plus vite des tâches répétitives. La précision des machines, elles nous permettent aussi d'obtenir facilement une relation entre les données. Avant, la corrélation devait le faire manuellement. Et cela réduit le temps, le coût dans le domaine aussi de la sécurité. Si pensons aux personnes seules ou qui souffrent de quelques problèmes, aussi la transition écologique, ces machines peuvent nous aider par exemple, dans des pays en développement pour résoudre des problèmes avec la sécheresse. Et pour lutter contre la pauvreté, si nous pensons au progrès scientifique, la santé, et aussi puisqu'ils mettent à notre disposition une grande quantité de données, ils peuvent nous aider dans la connaissance. Ensuite, il y a des défis. Moi, je les appelle défis et pas des risques, parce que le défi nous met nous-mêmes dans une attitude de le résoudre. Sûrement, il y aura la substitution du travail humain. Il y aura des problèmes au niveau des vies privées, sécurité, de préjugés, partialité, discrimination. Il y aura la possibilité de l'utilisation et abusive possible. Il y aura aussi les risques pour la sécurité mondiale dans les armements. On est en train de les voir. Dans les dernières guerres, il y a un usage des instruments qui, paradoxalement, nous semble de responsabiliser l'homme. Il faut être convaincu toujours que la responsabilité est humaine et individuelle. Un autre sujet à réfléchir, c'est l'homme. Il y a des recherches qui ont montré que tout ce qui est derrière le fonctionnement nous rend tout ce qui est près du monde qu'on appelle world, c'est-à-dire individualiste, riche, démocratique, éduqué, industrialisé. On a posé des questions aux machines avec donc les réponses des machines sera toujours beaucoup plus près des civilisations avec cette culture. Mais
puisque l'entraînement a été fait dans ces pays. Mais d'après cet indice de la publication d'Economist, il représente en 7,8 des populations mondiales. Mais il faut penser qu'il y a 30% des populations mondiales qui n'ont pas l'accès à Internet et moins encore à l'intelligence artificielle. Il y a aussi un préjugé concernant les femmes. Nous trouvons que les assistants personnels que nous avons dans nos foyers, qui ont toujours un nom de femme, Alexa, Siri, etc., cela est évident que le modèle qu'on a de femme, c'est celle qui est humble, disponible, qui peut offrir un service. Et cela a été développé, les 85%, par des développeurs et qui sont des hommes. Et comment cela nous affecte dans la relation avec les autres? Cela modifie l'interaction sociale. Ça peut parfois le remplacer et ça, c'est un danger. Ça a une influence aussi dans la relation avec nous-mêmes, la perception que nous avons de nous-mêmes. Parfois, il nous présente un modèle trop haut et aussi en référence avec l'autre au niveau spirituel. Nous considérons parfois le risque, c'est de les considérer comme de divinités modernes ou bien de nous sentir nous-mêmes de Dieu avec l'aide d'une machine. Ici, il y a un graphique qui nous présente en quelques mots si l'usage de tout ceci est sûr ou pas. Pour savoir si cela est sûr ou pas, ça dépend de l'usage que nous voulons en faire. Et si nous voulons avoir une réponse qui soit véridique, vraie, nous pouvons l'employer tranquillement. Si nous voulons avoir une réponse qui soit sûre et vraie, il y a toujours la responsabilité personnelle individuelle de vérifier les données et s'assumer la responsabilité, c'est-à-dire ne pas laisser à la machine la responsabilité, mais l'assumer nous-mêmes. Maintenant, nous allons voir ce que nous enseigne le magistère concernant tout ceci. J'ai fait une étude où j'essayais de parcourir l'histoire de l'enseignement des papes à partir de Jean-Paul II. C'est l'époque où l'on commençait une forte industrialisation et la robotique, la substitution de l'homme, des machines par l'homme, de l'homme par la machine. Jean-Paul II nous parlait déjà de cette question et en 1987, et il a toujours dit que l'homme doit être au centre du processus depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'à son usage, et n'est pas être une victime. Benoît XVI, dans une rencontre avec l'Université du Latran, il a invité à rencontrer un équilibre entre la liberté que nous avons pour employer ces machines et les conséquences d'en faire usage. Donc, penser à l'équilibre fondamental des opportunités et des dangers. Finalement, avec le pape François, c'est les derniers 10 ans où tout ceci s'est beaucoup développé et c'est le pape qui a plus parler sur ce sujet, presque 20 discours, à part le dernier pour la Journée mondiale des communications sociales, où il nous demande de réfléchir, à part la centralité, l'équilibre, il nous demande de réfléchir sur l'éthique et le besoin d'avoir des règles universelles.
Et nous voyons en tous ici l'attention de l'Église qui met la personne au centre, sa responsabilité et le besoin que les gouvernements et les institutions puissent intervenir pour établir des règles dans ce développement technologique. Ici, nous avons un discours de Jean-Paul II où il demande aux responsables de l'employé au service de la personne, la famille, la société. Benoît XVI nous disait que toute science doit sauvegarder l'homme et chercher le bien. Et le pape François nous appelle à offrir une contribution pour l'avenir de l'humanité. J'ai aussi étudié toutes les éditions catholiques. Si nous pensons à la Civiltà Cattolica, qui est une publication catholique. Et donc, tout d'abord, on dit qu'il faut faire place à la voix de l'Église. Ensuite, parce que l'Église a la capacité d'interpréter et transmettre la demande anthropologique qui sous-tend les innovations technologiques. Il faut considérer aussi l'unicité de la personne humaine et sauvegarder sa dignité. Ensuite, l'Académie, je voulais réfléchir sur l'Académie pontificale parce que là, il y a des experts de tout le monde et là, on peut voir ces points qu'on a ici et qu'on va trouver dans des documents postérieurs, mais c'est une réflexion qui a été commencée en 2016, donc il y a plusieurs années ou quelques années. Donc, l'Académie pontificale a produit des déclarations, il y en a eu plusieurs, mais il nous invite surtout à faire attention aux conséquences de ces technologies, à viser les effets qui produisent un bien plus grand, construire des systèmes fiables, opter pour la responsabilité partagée. Donc, ce n'est pas seulement le gouvernement ou ceux qui veulent faire gagner, mais c'est une responsabilité de tous. Travailler pour une plus grande équité, exclure la discrimination, partager les bonnes pratiques et converger sur des normes, vers des normes appropriées. Donc, il est important d'établir des critères quand une technologie évolue très vite et a un impact fort sur nos vies. Le 2 avril, donc le mois dernier, il y a une déclaration de la Curie, de la doctrine de la foi, qui dit au point 62, parle sur la technologie, dit qu'elle doit servir la dignité humaine et nous invite à la communauté humaine à être proactive, mais nous dit que nous avons tous une responsabilité et on doit respecter la dignité humaine et promouvoir les biens. J'arrive à la conclusion en citant ces documents qui est de 2020 et c'est un travail de l'Académie pontificale pour la vie et qui synthétise les principes essentiels et fondamentaux qui vont rester toujours et qui nous touchent tous. C'est la transparence de ces systèmes, l'inclusion. Tous devraient tirer bénéfice de tout ceci. La responsabilité, l'impartialité, ils doivent être des instruments fiables, ne pas faire du tort aux personnes, et aussi chercher toujours la sécurité et protection de la vie privée. Parce que c'est des systèmes
qui analyse une masse de données, mais c'est à nous la responsabilité de le donner au système. Et donc, il faut chercher des systèmes qui veillent pour la sécurité et la protection de la vie privée. Et dans le dernier message de la journée des communications sociales que vous avez tous lu et qui reprend les besoins de la responsabilité qui est à nous de tous, de l'importance de cultiver les relations et de prendre soin de ce système. Parce que le pape nous dit qu'on est devant un changement culturel qui implique tout le monde. Il faut se demander donc ce qui est bon pour l'homme. Et le centre de cette réflexion doit être le cœur, le siège de la liberté, des idées, des rêves, les symboles de l'intégrité, l'unité, le lieu intérieur de la rencontre avec Dieu. Et là, nous pouvons trouver la force pour résoudre les problèmes qui se présenteront. Quant aux opportunités et dangers, moi, je pense que ce document est très spirituel. Il n'est pas tellement technique, mais spirituel, parce que c'est la clé de départ de notre vie sociale. Il faut comprendre notre cœur. Si notre cœur est cultivé, nous pourrons faire face aux conséquences. Nous devons faire face et grandir à l'humanité et retrouver la subjectivité, exercer l'esprit critique. Il faut toujours employer la pensée, l'esprit critique devant n'importe quelle évolution et trouver les moyens de garantir la transparence, le pluralisme, la durabilité et l'accessibilité. Je vais finir avec ces trois fonctions qui, pour moi, sont essentielles. Nous sommes habitués à regarder ces découvertes avec deux attitudes, ou trop d'enthousiasme ou trop de crainte. Moi, je vous invite au réalisme, prendre les choses comme elles se présentent, en exerçant l'importance de la connaissance. La formation, nous devons comprendre comment ces systèmes fonctionnent, comment on peut les employer, comment ils peuvent améliorer notre vie. Nous devons exercer la créativité quand nous les employons. Est-ce que cela améliore notre relation, notre travail, etc.? Et tout faire avec responsabilité, ce qui signifie de s'arrêter quand nous voyons que nous allons au-delà de ce qui est nécessaire. Tout cela parce qu'au fond, il y a une seule réponse à cette évolution, que c'est notre capacité comme homme de continuer à poser des questions. Les machines exécutent nos ordres. Le seul qui peut se poser les questions, c'est nous, les êtres humains, parce que l'intelligence artificielle, comme dit ici, il apprend. Mais nous, qu'est-ce que nous apprenons à l'intelligence artificielle? Ça, c'est notre responsabilité. Merci beaucoup. Merci au professeur Tridente parce qu'il nous a illustré pas seulement l'évolution de l'intelligence artificielle, mais aussi ses limites et tout ce que peut nous induire en erreur, parce que l'intelligence artificielle imite l'intelligence humaine. Et comme ça, on voit la possibilité d'identifier la différence, tout d'abord, entre l'homme et la femme, pardon, entre l'homme et la machine, et notre responsabilité. Et donc, on voit les défis que tout ceci nous présente pour l'avenir, aussi à la lumière
d'une réflexion ecclésiale actuelle, nous en ferons un trésor d'études ici. Merci, professeur. Étant donné l'heure, je vous invite tous à prendre 4-5 minutes pour assimiler tout ce que nous avons écouté et écrire vos questions sur le chat pour donner le temps à nos interprètes de respirer un peu. Donc, je vous invite à écrire les questions dans le chat ou conversation. Donc, à la fin de notre rencontre, nous essayerons de répondre à quelques-unes. Bien, je vois qu'il y a beaucoup de questions. On va essayer de répondre quelques-unes à la fin, dans la deuxième partie de notre rencontre. Maintenant, nous allons écouter le professeur Tiziano Tozzolini. Moi, j'étais son élève. Le père Tozzolini appartient à la congrégation des missionnaires Xaveriens. Il a vécu 20 ans au Japon. Il a étudié théologie et pédagogie à Parma et philosophie à Glasgow, en Écosse, en obtenant le doctorat en philosophie en 1998. En 2001, à 21, il a été au centre d'études Xaveriens à Osaka. Ensuite, à partir de 2015,
Il est professeur auprès de l'Université grégorienne où il enseigne à la faculté de philosophie et au centre d'études interreligieux. Il est aussi professeur invité de la Loyola School of Theology à Manille. Entre les publications ces publications sur la relation entre la science et la pensée religieuse, il y a en italien l'uomo oltre l'uomo, l'homme au-delà de l'homme, à notre image, à notre imagine, qui est la première étude en italien sur les provocations théologiques et philosophiques que le mouvement transhumaniste pose aux expressions religieuses mondiales. On va se concentrer sur les changements de paradigme modèle de l'intelligence artificielle. On verra les aspects qu'il faut avoir à l'esprit quand on parle de confiance devant l'intelligence artificielle et quelles sont les questions du point de vue théologique et religieux. À vous la parole, professeur. Merci beaucoup de votre invitation, tout d'abord. Et Sœur Thérèse, et le professeur Trident aussi, et votre conférence a été très intéressante. Tous ceux qui ont rendu possible cette réunion, justement, qui est possible grâce aux moyens technologiques. Justement, si nous sommes ici, c'est justement à cause du développement technologique. Moi, je voudrais parler sur trois éléments dont Pascal nous a parlé, c'est les changements des paradigmes, des modèles qui nous proposent l'intelligence artificielle, les aspects pour pouvoir avoir confiance dans l'intelligence artificielle et quelles sont les questions que tout cela nous pose du point de vue théologique et religieux, parce que tout ceci est en relation. Mais je voulais introduire ma conférence en revenant sur les mots du pape dans le message du 1er janvier sur l'intelligence artificielle et la paix, là où il parlait des critères de développement et évaluation des nouvelles technologies. Et c'était la dignité de l'homme qui doit être vue dans sa totalité, pas seulement physique, mais aussi spirituelle, et la fraternité, parce que nous ne vivons pas seuls, nous vivons en communauté, dans la maison commune dont le pape parle souvent. Et le pape nous disait qu'il fallait promouvoir le développement humain intégral et produire des innovations dans le champ de la culture, de la médecine, de l'Église, telles que nous l'avons à peine écoutées. En plus, il nous parlait d'un dialogue interdisciplinaire qui cherche le respect des quelques repères éthiques. D'abord, le respect de l'homme en tant que tel. Et finalement, il nous parlait des quelques risques. Le premier, c'était de ne pas tomber dans les spirales de la dictature technologique. Ce sont des mots intéressants, la dictature technologique n'est pas, ça n'accepte
ne pas accepter la propre limite et devenir esclave d'une chose qui puisse me porter au-delà de mon humanité. Oui, il y a les dangers dont on a déjà parlé, la vie privée, au niveau social, les campagnes de désinformation, les fausses nouvelles. Cette année, je vais faire une parenthèse, beaucoup de pays, il y aura des élections dans beaucoup de pays du monde, en Europe, Amérique. Il y a des préoccupations à cet égard, justement parce que l'intelligence artificielle peut, si elle est employée d'une manière mauvaise, peut intervenir pour attirer des votes dans ces élections. Elle n'est pas demandée aux hommes et femmes de bonne volonté à collaborer pour faire face aux défis de l'intelligence artificielle et offrir aux générations futures un monde plus juste, plus solidaire et plus pacifique. Ce sont des mots qui ont une charge prophétique laissée aux nouvelles générations, un monde de paix. Bon, pour entrer dans notre sujet, je vais essayer d'être assez simple dans ma présentation et je suis ouvert à des questions, évidemment. Le professeur Tridenté déjà nous disait qu'on a besoin d'une définition d'intelligence artificielle. Et moi, je prends la même qu'il a employée, qui est la première définition d'intelligence artificielle qui a été donnée par un scientifique dans un congrès. Et il a dit, l'intelligence fait comporter les machines de sorte qu'on les appelle intelligentes parce qu'elles se comportent comme un être humain. Faire agir les machines de la même manière qu'un être humain devrait se comporter. Ensuite, on a ajouté d'autres définitions. On laisse de côté, en ce moment-ci, les différentes formes d'intelligence artificielle. Moi, je vais en citer trois. L'intelligence artificielle faible ou étroite, avec des mots en anglais, c'est la plus simple. C'est celle qui nous conduit chez nous quand on ne connaît pas la voie, quand on met les réveils, c'est tout ce que Siri peut faire. On l'appelle faible, c'est limité. Et on ne peut pas avoir un dialogue avec elle. Ensuite, une forte, ou strong en anglais, qui pourra faire les mêmes activités d'une personne avec une certaine souplesse qui pourra distinguer, qui distingue l'être humain. Ça, c'est plus dangereux comme intelligence artificielle. La troisième, qui est toujours avec des mots en anglais, augmentée ou étendue, qui prétendent construire des machines qui puissent aider les personnes, qui puissent collaborer avec l'être humain. Et c'est là, on les voit dans le domaine de la santé médicale. On a vu que parfois, l'erreur d'un médecin
diagnostic, c'était dans un cancer au sein, c'était de 3,5%. Avec l'intelligence artificielle, c'était 7%. Mais si on met ensemble les deux, l'erreur descendait à zéro. Et c'est pourquoi ça s'appelle augmenter. On a entendu le mot paradigme modèle. Moi, ma conviction, moi je ne l'ai trouvé nulle part, ça, c'est une conviction à moi. Moi, je crois qu'on est devant un changement de paradigme. Et je prends ceci d'un philosophe, Thomas Kuhn, qu'en 1962 parlait de la structure de la révolution scientifique. Il disait que le paradigme, c'est l'ensemble de notions, des bases, des méthodologies qui sont employées par les scientifiques pour résoudre le problème. Un paradigme est un ensemble d'idées, des notions, des principes qui sont employés par les scientifiques dans un temps donné pour résoudre un problème donné. Une chose importante à avoir à l'esprit, c'est que le paradigme n'a pas à voir seulement avec la science. C'est notre vision du monde. C'est comment nous comprenons le monde. Un changement de paradigme, par exemple, c'est le changement du changement ptolémaïque, des Ptolémées au changement copernicien. Cela n'était pas seulement notre vision de la Terre, mais c'est une vision générale. Nous ne sommes plus au centre. On s'est relativisé où la physique de Newton, qui disait que l'espace et le temps étaient toujours pareils, égaux, et arrive Einstein, il dit que ils sont relatifs. Ça, c'est des changements de paradigme. Mon hypothèse, c'est qu'il y a eu un changement. Mais pour cela, il faut voir avec quel paradigme on a fonctionné jusqu'à présent. Et pour moi, c'est l'algorithme procéduriel, c'est-à-dire de la procédure. C'est-à-dire un algorithme donc le modèle d'après lequel l'homme donne à la machine l'algorithme. De même que nous suivons des pas pour faire un gâteau, on prend les éléments, on les met ensemble et on obtient les gâteaux. Et cet algorithme procéduriel ou des procédures, c'était la même chose. Nous, on introduisait dans la machine ce qu'elle devait faire. Si nous ne savions pas comment expliquer à la machine comment le faire, il est clair que la machine ne le faisait pas. La machine aurait fait seulement ce qui lui aurait été demandé de faire. C'est très simple. Nous disons à la machine, fais ceci et elle le fait. Où est-ce qu'il y a un changement de notre esprit? Justement, des paradigmes d'interprétation du monde. Le changement, c'est celui-ci. Les chercheurs ont adopté des raccourcis d'après lesquels, qui nous ont amenés à un développement énorme de l'intelligence artificielle, mais de l'autre côté, le chercheur était incapable
de comprendre comment la machine, ou pourquoi la machine se comportait de cette manière. Avant, on disait à la machine, je veux ceci, une équation, algorithme. Maintenant, avec ce raccourci inventé par les scientifiques, nous ne savons pas ce que la machine fait. Et quels sont ces raccourcis? Je suis l'idée d'un professeur. Les scientifiques ont pris des raccourcis parce qu'ils n'arrivaient pas à inventer une intelligence artificielle qui soit comme la nôtre. Le premier raccourci, c'était employé pour la régularité statistique qui se trouvait dans les données, employer cela pour faire des prévisions sans comprendre les règles du jeu. Non, un exemple. Probablement, vous avez employé les traducteurs, Google ou quoi que ce soit. Au début, les traducteurs étaient très sympathiques parce qu'ils traduisaient mot à mot. Et nous pensions que ça, c'était la traduction. Puis, on a réalisé que la traduction était sémantique, c'est-à-dire, il faut comprendre l'essence de la phrase. On le sait tous. Et quand on traduit, on dit non, cette traduction littérale ne va pas bien, ça c'est mot à mot et n'a aucune signification. On doit comprendre la phrase et puis la traduire. Et donc, les scientifiques ont vu qu'ils ne pouvaient pas faire comprendre à la machine la sémantique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recueilli toutes les données possibles et imaginables et lui ont dit, dans cette situation, après ces mots, normalement, on met ce mot. C'est comme dire à l'ordinateur, ça n'a pas d'importance que tu comprennes, mais avec ces instructions, tu vas me donner une traduction qui est beaucoup plus compréhensible. Si vous voyez dans les traducteurs, la précision de la traduction est augmentée notablement. Donc, les traducteurs fonctionnent de manière acceptable. On aurait un 6 comme note. Donc, elle ne parle notre langue. Elle parle la langue de la probabilité et de l'optimisation mathématique. Ce n'est plus celle de raisonnement formel. Donc, ça, c'est le premier raccourci. Donc, ne faisons pas apprendre la machine à employer les langages, mais avec toute cette quantité de données, on arrive à une probabilité beaucoup plus grande. Pour reconnaître un visage, il faut 4 millions de photos pour apprendre que cela est un visage. Pensez à la dépense pour donner à l'ordinateur toutes les données imaginables pour arriver à cette réponse. Ensuite, voilà, deuxième raccourci. On lui a donné toutes les données qu'il y a sur Internet. On lui a donné toute notre connaissance. Et ces données sont augmentées énormément pendant le COVID, parce que c'était pendant le COVID qu'on pouvait les communiquer à travers l'ordinateur. Tiens, j'ai eu un neveu, j'ai eu des petits-enfants, les photos, on les partageait. Mais notre monde n'est pas un monde idéal. Ce que l'ordinateur
a appris, c'est dangereux parce que dans tout ce qu'il y a sur l'Internet, il n'y a pas seulement des saints, il y a tout ce qui enseigne comment faire des bombes, etc. Mais c'est ce que ces grands ordinateurs ont en eux, toutes ces données. Le dernier raccourci, c'est qu'en employant cette intelligence artificielle, on a observé que les usuaires faisaient. Donc, l'intelligence artificielle voit ce que nous voulons. Donc, vous voyez que vous achetez un livre sur Amazon et le lendemain, vous recevez le message d'Amazon qui te dit, peut-être tu aimerais cet autre livre aussi. Donc, on garde toutes nos données qui sont nos désirs. Je l'ai dit moi-même, c'est qu'on est très prévisible. L'ordinateur a compris qu'on aime ceci et il nous le donne, nous le repropose. Ça, c'est le troisième raccourci. Pour moi, le changement de paradigme, c'est que la nature de la connaissance de la machine est changée. En temps, on cherchait la simulation. Nous pensions, par exemple, que si on construit une machine qui traduit les langages, nous aurions une théorie complète sur les langages, savoir comment fonctionne le langage. Et un simulateur de vol implique connaître toutes les lois de l'aérodynamique. Aujourd'hui, la machine sait faire des choses qui nous semblent qu'on ne peut pas expliquer. Le dernier point que le professeur nous faisait voir, et on voyait un sigle AlphaGo. Et Go, c'est un jeu chinois comme les échecs et avec des petits cailloux blancs et noirs et on doit avancer dans son territoire. Et cet ordinateur, dans une seconde, a reçu toutes les parties jouées d'AlphaGo. À un moment, on a défié le meilleur, le champion de ce jeu, l'AlphaGo, et qui était un Coréen. Et il a dit, bon, on l'a fait aussi avec les échecs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, pendant, le Coréen a perdu, mais pendant la partie, l'ordinateur a fait un mouvement que ceux qui l'ont créé on dit ça, si vous êtes intéressé, ça s'appelle le numéro 37. Il y a un film qui s'appelle AlphaGo. Ce qu'il avait créé, on dit la machine s'est trompée. Même le champion mondial a pensé qu'il avait vaincu. Après 350 pas, l'ordinateur a vaincu. À ces moments, personne n'a compris le mouvement, mais qui l'a mené à gagner la partie. On est au début. Si, avec un jeu, on peut voir ceci, bon, de même qu'on joue aux échecs, bon, mais si on l'emploie pour d'autres choses, comment peut-on avoir confiance à l'égard de l'intelligence artificielle? Ça, c'est le deuxième point.
Comment avoir confiance? Et pour... Il y a eu un autre philosophe, excusez-moi si je parle de beaucoup de philosophes, Marshall McLuhan, qui a dit, c'est lui qui a dit que le moyen est le message. Il a dit, nous créons nos instruments. Et ensuite, nos instruments nous façonnent. Il y a comme un changement de paradigme. C'est plus nous à façonner les instruments. On arrive à ce que les instruments nous façonnent. Quels sont les deux éléments essentiels dans cette confiance? Le professeur l'a déjà bien expliqué. Mais le mot magique sont responsabilité et vérifier. Il faut décider qui est responsable. Ça, c'est fondamental aujourd'hui. Qui est responsable des effets de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est le producteur? Est-ce que c'est l'usuaire? Moi, je crois qu'on va arriver à un moment où la machine va guider seule. Une dame traverse la rue et la machine, guidée par intelligence artificielle, la tue. Est-ce que de qui est la responsabilité? Quelqu'un va devoir payer l'intelligence. Au moins, ne l'a pas tué, mais l'a investi. Mais tout cela, il faut le décider vite, la responsabilité. Ensuite, la vérificabilité, c'est-à-dire comment on peut se fier, avoir confiance en un système qu'on ne peut pas contrôler, parce que parfois les opérateurs nous nient la possibilité. Actuellement, on a chat. GPT-4, qui est comme on appelle open source, on peut voir comment il fonctionne. On va passer au numéro 5, qui sera fermé. On ne pourra pas contrôler comment ça fonctionne. On ne pourra pas déléguer cette responsabilité seulement à ceux qui l'ont produit. La confiance n'est pas la foi. C'est une conviction rationnelle dans la compétence et la bienveillance des personnes. Je dois être sûr que tu me respectes, que tu ne me manipules pas, que la machine est transparente, qu'elle est correcte, qu'elle respecte ma vie privée. Ce n'est pas des choses simples à faire. Par exemple, les exemples nous permettent de comprendre. L'intelligence artificielle reçoit toutes les données qu'on lui donne. En Amérique, on a dessiné. Il y a eu un jugement et à un moment, on voulait voir quelle était la possibilité de récidive. Et d'après des juges, quelques juges, les personnes de couleur avaient beaucoup de possibilités de récidive. Ensuite, on a vu que l'ordinateur travaillait avec les données qu'on lui donnait. Et c'était parce qu'on lui avait donné des données concernant des personnes de couleur, beaucoup plus. Mais ça, c'était un faux. Donc, il faut être très attentif quand on dit c'est l'intelligence artificielle qui l'a dit ou l'a déterminé. Il faut voir comment les logiciels interagissent avec la société, l'intelligence, et tous doivent entrer dans cette discussion, philosophes, psychologues, scientifiques, etc.
En 2016, le président Obama a fait ceci. Il a dit, comment on va faire face au risque de l'intelligence artificielle? Et il a dit, tu dois avoir quelqu'un qui soit prêt de la prise électrique, c'est-à-dire le déconnecter. Mais ce n'est plus comme ça. Maintenant, l'intelligence artificielle est entrée dans tous les secteurs de la société. On ne peut pas l'éteindre, la déconnecter. Le problème, c'est est-ce que est-ce que nous serons capables, nous avons la connaissance de savoir quand est-ce qu'il faut la déconnecter? Il est en train de prendre des décisions sur nous avec des critères que nous n'arrivons pas à comprendre. Ça, c'est le pape qui nous avertit. Ça, c'est le défi culturel pour l'intelligence artificielle. Je vais vite parce que je voudrais laisser la place pour les questions. Ces changements de paradigme, ce n'est pas seulement notre vision du monde, c'est notre vision religieuse. Et là, on ouvre des cratères que je ne pourrais pas discuter à l'infini. Il y a une nouvelle anthropologie. Dans quel sens? Dans le sens que jusqu'à présent, notre corporalité, notre corps est important. Nous vivons à travers le corps, mais nous apprenons à travers le corps. Si l'intelligence artificielle se développe, ce qui est important pour elle, ce sont les données et pas notre corporalité. Pour dire, si le verbe s'est fait chair, pour l'intelligence artificielle, la chair doit devenir verbe. Ça, c'est une donnée. Toi, tu es ton information pour l'intelligence artificielle. Un. Deux. Une nouvelle eschatologie. Où est-ce que nous allons? Il y en a qui sont en train de commencer à travailler sur l'eschatologie de l'intelligence artificielle. Il faut réfléchir sur la notion de théose, la capacité de devenir Dieu, et de théomimèse, imiter Dieu. On est à ce point-là. Mais si nous savons qu'à travers la résurrection de Jésus, il a vaincu la mort, il nous a dit où nous allons. Avec l'intelligence artificielle, nous ne savons pas où nous allons. Une nouvelle morale. Il y a des choses énormes. Beaucoup pensent que notre morale n'est pas le fruit de notre choix, de notre liberté, entre deux possibilités, mais c'est une question d'anatomie, de fonctionnement du cerveau, des hormones, de la génétique. Et si nous modifions des neurones, et cela est en train d'être fait, il y en a qui disent que nous allons changer le comportement moral en lui donnant une pilule éthique, pour ainsi dire, pour être tous bons et altruistes à un niveau d'intelligence artificielle, un nouveau rapport avec l'altérité. Le professeur en a parlé. Il y a des enfants à l'école primaire, au lieu de passer les feuilles du livre, ils font comme ça, comme on fait avec le téléphone. On est à ce niveau. Le monde est en train et n'est plus analogique. Nos enfants, ils ont le téléphone à main, la machine,
Donc, avec ça, ils ont tous le téléphone, la télévision, la carte bancaire, ils ont tous là. Et s'ils voient qu'il y a une enveloppe, c'est un peu bizarre. Bientôt, ça va disparaître. Le problème, c'est quelle est notre relation aux autres? Et si, à travers la technologie, je transmets aussi ma faiblesse, et si la technologie emploie aussi ma faiblesse, un dernier point, on passe d'une notion de vérité qui est sémantique à une notion d'exactitude. Nous ne tolérons plus l'erreur. Pourquoi? Parce que si la machine se trompe, on va la faire fonctionner mieux. Une chose, c'est être exact, et une autre chose est la vérité. La vérité de l'amour est une relation, est un sentiment, et être ensemble, c'est une chose beaucoup plus grande. La vérité à rechercher disparaît et on cherche la précision, l'exact, et cela signifie la fin de l'expérience avec nous-mêmes, parce que nous avons besoin de temps pour savoir qui nous sommes, comment on doit changer de comportement. Et l'intelligence artificielle ne nous donne pas le temps. Merci beaucoup de cette opportunité. Je vais finir avec une anecdote. Yuval Harari, cet Israélien qui a beaucoup écrit, qui était invité à un congrès pour parler de l'intelligence artificielle et l'avenir de l'humanité. Il a fait sa conférence et à la fin, il a dit, vous avez vu que j'ai parlé de l'intelligence artificielle et je vous ai dit que ce que j'ai dit est le fruit de mon intelligence. Bien. S'il y avait un temps où l'on pouvait dire oui, c'est vrai, cette conférence a été intéressante, il a exposé ses idées. Aujourd'hui, nous ne savons pas si ce que je viens de dire est le fruit de mon intelligence ou si c'est le fruit du chat GPT-4, à qui j'avais dit, fais-moi la conférence. Nous ne savons pas. Donc, pensez 2 secondes pour penser à cette conclusion. Merci, professeur, de cette vision théorique et pratique qui nous fait réfléchir sur le paradigme, qui ont une influence sur notre vision du monde. Et aussi sur comment l'intelligence artificielle peut nous aider si on l'emploie comme une collaboration et pas comme un remplacement. Elle peut collaborer avec l'homme et vous avez aussi présenté la différence entre le monde idéal et le monde réel, en nous appelant à faire attention au monde réel. Merci beaucoup, professeur. Je vais donner la parole 4-5 minutes à nos interprètes qui ont été très bonnes à suivre votre vitesse. Et je vous invite entre-temps. Vous êtes invité à écrire sur le chat
leurs questions, si vous le savez, pour les professeurs. Ensuite, on va demander à Navoïka et Myriam de choisir quelques-unes. Je vous demande des excuses désormais parce que on n'aura pas le temps de tout lire. Donc, 3-4 minutes pour écrire les demandes, les questions, pardon. Bien, les questions sont beaucoup et très intéressantes. Je vais donner la parole à Navoïka et Myriam qui vont choisir quelques questions. Donc, on va voir à quel professeur on adresse la question. Et puis ensuite, je vous demande, s'il vous plaît, d'aller lentement et de répondre de manière concise pour pouvoir répondre à la plupart des questions. Enfin, plusieurs questions. Première question en anglais. L'intelligence artificielle va élargir la différence entre les pauvres et les riches. Étant donné qu'il y a des pauvres qui ne peuvent même pas acheter un ordinateur,
Est-ce que cette question a été posée après le professeur Tidente? Merci. Oui, en fait, ça c'est un risque important et fondamental que j'ai essayé de montrer quand on a parlé du besoin d'égalité, d'équité, parce que cela, évidemment, peut élargir la différence entre les pays développés qui sont en train de faire le développement de ces technologies, qui financent ce développement, et en même temps, le risque que les pays du sud du monde puissent continuer à subir la différence en restant à fournir des ressources, parce que l'entraînement des machines, de l'intelligence artificielle générative, qui prend de l'Internet les informations de tout ce qui se trouve sur Internet, il faut dire aussi que les 50% de ce matériel est en anglais. En plus, là aussi, il y a une exclusion culturelle. Par contre, les pays du Sud ont été employés comme main-d'œuvre pour la vérification et contrôle des systèmes. Voilà. Oui. Cette différence est un risque. Il faut le résoudre, mais avec l'aide de la technologie et des règles, des normatives bonnes, en assumant la responsabilité de s'occuper des dernières, comme dit le pape, même dans le message pour la paix, nous pouvons essayer de donner une solution qui est une solution qui est demandée à chacun de nous. Merci, professeur. Je vais lire en italien. D'après vous, les risques les plus importants de l'usage de l'intelligence artificielle qui a besoin d'une normative urgente? Sûrement la sécurité et pour les armements, il y a un risque global. Les machines laissées sans règles pour être employées dans la guerre peuvent créer des problèmes importants. Ce n'est pas par hasard que les essais des lois aux États-Unis, dans la communauté européenne, à niveau OCSE, quand on a essayé d'établir des normatives en niveau militaire, on a dit que cela est un domaine où la politique, les gouvernements ne doivent pas entrer. Ça, c'est un risque fort et important, parce que la puissance même des calculs de développement de ces machines sophistiquées sans une normative, sans des règles, peuvent créer des problèmes très gros. Il y a un risque aussi qui est à notre portée ou plus immédiat et qui est plus facile à résoudre si nous avons des personnes qui puissent assumer une responsabilité, c'est celui du profit. Les industries qui développent ces systèmes, s'ils cherchent seulement le profit, les gains, vont laisser de côté le bien de tous, mais on peut créer
des systèmes orientés seulement au profit, mais on peut, et ça, c'est plus facile à régler, à trouver des solutions, des normatives, etc. Navoïka Miriam. Procediamo con una domanda magari Une autre al question? professor Tosolini. Le professeur Tosolini? En français, concrètement, que peut faire une communauté religieuse avec intelligence artificielle? Allora, sì, visto come con il francese, professore. Bene, visto che non segue le traduzioni, la domanda sostanzialmente si potrebbe fare Elle alla est en train communauté de répéter, d'Italo in Ispagna, qu'est-ce fiducia qui religiosa peut e intelligenza faire artificiale? un institut religieux avec l'intelligence et devant l'intelligence artificielle? Dipende poi qual è il carisma Ça che si vuole avere. dépend, bon, beaucoup de choses, votre charisme. Certamente non i missionari, nel Pour... senso che oggigiorno va molto di moda parlare di Aujourd'hui, questo continente, non so come lo on chiamano parle loro, beaucoup du sixième continent. l'Europa e l'Europa di benissimo, non c'è problema, però anche il Papa è d'accordo su questo, Même però le c'è chi pape, l'intervento del Papa sulla mais à la religione fin oggi de chaque alla fine conférence du pape, questo cosa non il nous cioè rappelle que tout ceci ne cosa peut pas non può remplacer rompere la rencontre avec l'autre. questo punto di Moi, questa je crois situazione è que che gli istituti religiosi les in instituts Italia religieux, fino a questo punto n'importe quel est l'intera lingua leur charisme, con l'altro doivent l'incontro tra renforcer l'intelligenza la rencontre vraie avec l'autre, être ensemble, se voir. Introduco qui Et j'introduis un ici punto fondamentale une seconde, che secondo me è une différence qui est essentielle l'intelligenza entre artificiale intelligence artificielle et raison humaine. non sia Moi, l'intelligenza. je pense que la raison n'est pas l'intelligence. L'homme Ha una ragione che non a sia la identificata raison col calcolo, dove qui n'est tutto pas si calcola. identifiée avec les calculs, parce que pour l'intelligence artificielle, c'est seulement les calculs. Ancora, la parola non si risolve nel numero, La ma in qualcosa di più parole grande, ne che trouve pas sa è solution la dans les conoscenza, chiffres, che c'est-à-dire l'essentiel, l'irrilevanza c'est dell'altro. la rencontre, reconnaître L'altro non è come me, que l'autre n'est pas comme moi, l'altro il n'est non pas è un autre être humain, è una cosa c'est diversa. celui qui me E questo rend scoprirlo, être questo humain. saperlo, Ça, on doit le riconoscerlo. redécouvrir. Questa cosa qui cambio chat, cioè Parce cambio que interlocutore, on est en train de cambio devenir, bon, fondamentalmente je n'aime pas l'oggetto ceci, con voilà, cui j'échange ma chat non lo cerco neanche dans più, le non téléphone, so je ciò che dis. è, perché posso usarlo On ne anche sait per pas qui j'ai un devant. amico, Et j'ai créé des parla amis, tantissimo di quella che è la nostra umanità. mais on est en train de perdre notre humanité en cela. Noi non siamo delle cose interscambiabili, Nous ne siamo sommes amici da pas dentro, de siamo choses amici échangeables. per l'altro. Notre Se qualcuno humanité l'ha, est un don lui précieux pour ha, les autres. l'amo come nemico, Peut-être que l'autre est un ennemi, mais il est mon ennemi, d'accord? C'est l'autre. questo fatto che si sta Nous perdendo devons tutto, cioè reprendre qui, quando ce ho parlato fait qu'on est en train de d'esperienza, perdre. l'esempio è questo, Quand je l'esempio parlais d'un individuo d'expérience, con c'est sempre ça que plus je voulais d'esperienza. dire. On voit que les jeunes Non sont si perd. plus connectés, mais ils sont toujours plus seuls. Grazie professore, ce n'è una in Merci. spagnolo che vorrei Il y a une chiederle. question en espagnol. Antropologia y el
un changement d'anthropologie sans la capacité de définir ce que font les machines, ça veut dire que l'être humain perd l'autonomie. Peut-être nous n'avons pas perdu l'autonomie lorsqu'on a inventé les livres. Il y a des choses qui restent indépendamment des découvertes scientifiques. Le problème, c'est de savoir si nous serons là, parce que ça, c'est bon, ce que je vois. Au début, on parlait de la dictature technologique. Moi, je suis convaincu que le pouvoir de l'homme, ce n'est pas de faire ce qu'il peut faire. Il y a une différence entre le faire et devoir faire. D'où est-ce que naît le devoir faire? Nous avons vu le film Oppenheimer et là, il dit, la technologie m'a permis de faire la bombe et puis on voit ce qu'on fait avec. Et on a vu ce qu'on a fait. Et pourquoi on ne pense pas avant, au lieu d'employer la raison pour trouver le moyen, mais plutôt penser avec notre raison au but, aux fins, c'est-à-dire ne pas penser aux choses qu'on peut faire fonctionner et ensuite voir qu'est-ce qu'on fait avec. Et je crois que de toute façon, on va garder notre autonomie, mais c'est quelque chose qu'il faut ravider. Être attentif, il ne faut pas le perdre, la notion de corporité, de foi, du verbe, de la chair. C'est des choses que l'intelligence artificielle tend à rendre superflues, alors que nous avons un besoin désespéré des autres. Merci. Maintenant, on va vers l'anglais. Ça, c'est pour le professeur Tridente. C'est une question qui a été répétée par plusieurs. Comment protéger nos données et si notre information si notre information et nos données sont employées, quelles sont les actions qu'on peut entreprendre? Oui, ce problème des données a été mentionné même par le professeur Tortellini, c'est le pétrole pour les grandes entreprises, parce que c'est la base de ces technologies. Et l'étape démocratique où l'on avait la possibilité, toujours entre guillemets, d'employer ces systèmes gratuitement comme Chat GPT ou autre, c'est aussi une étape d'entraînement des systèmes à travers nos informations, nos demandes, notre interaction. Et avoir une connaissance de cela, une conscience de cela, nous permet de demander à cette industrie de nous mettre au courant
et de nous dire comment ces systèmes sont développés et de nous donner la possibilité de nier l'usage de ma créativité. C'est-à-dire, c'est l'interaction avec ce système. Donc, il faut avoir une pensée critique et chercher des systèmes qui ne gardent pas en mémoire notre interaction. Ceci est possible même avec ChatGPT. Ensuite, il y a des systèmes qui permettent, par exemple, de faire des synthèses de beaucoup de pages en PDF en quelques secondes. Nous mettons un document et on nous donne une synthèse et cela nous aide dans le temps pour obtenir un résultat pour un travail qui nous aurait exigé beaucoup de temps. Comprendre que cette information, mettons dans le domaine de la santé, que tout cela va finir dans ces nuages, ces clouds, de ces systèmes qui peuvent être employés pour le fonctionnement de ces machines, étant donné qu'ils sont des données personnelles. Et nous pouvons décider de le donner au système ou pas. Donc, le contrôle se passe à plusieurs niveaux. Il y a des normes à niveau du gouvernement, une normative des entreprises qui décident de ne pas spéculer avec les données personnelles ou de les lire avec transparence et nous-mêmes contrôler bien l'usage que nous faisons de notre connaissance. Merci, professeur. Avec ceci, je vous invite, si vous êtes intéressé, à approfondir, à consulter le texte du professeur Tozzolini et Tridente, que je remercie encore pour votre générosité, pour vos contributions qui nous ont aidés à éduquer notre cœur et discipliner notre pensée pour avoir la possibilité d'être toujours des usuaires responsables de l'intelligence artificielle, conscients de notre rôle dans la communication ecclésiale. Et plus important encore, vous nous avez indiqué les questions justes à nous poser devant ces développements de l'intelligence artificielle et son impact sur notre vie. Je vous remercie de votre participation, de votre attention. Nous étions très nombreux aujourd'hui et je remercie nos interprètes qui sont les constructrices de paix. C'est grâce aux langues que nous pouvons faire tout ceci. Je remercie les collègues de l'USG et de Multimédia International pour avoir organisé cet événement, particulièrement Sœur Thérèse. Je vous invite à nous dire au revoir et de regarder toujours nos initiatives, soit de la USG et de MMI Multimédia. Merci. Thank you very much. Obrigada a todos. Thank you. Muito interessante. Thank you. Gracias. Gracias.
Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Que Dios les bendiga. Yeah.